Bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour l'avant-dernière mission de Treasure of the Deep. On va s'attaquer au QG de Simon Black. Et là, ça va faire tellement mal, pour moi comme pour lui en fait, car cette mission, elle est labyrinthique un petit peu, celle-ci aussi. Cependant, la plus grande difficulté, ce sera vers la fin du niveau justement, auquel l'opération risque d'être problématique. Mère de Waddle, le grand froid. Nous avons suivi le sous-marin de Black alors qu'il s'enfuyait par un labyrinthe de glace dans l'Antarctique. Nous savons que son QG se trouve dans la région. Pénètre d'abord dans le labyrinthe et réduit sa base à néant. Ensuite, élimine Black, une fois pour toutes. Ah oui, le gros robot qu'on vient de voir dans la cinématique, c'est lui. Et elle va être compliquée. J'ai tellement de choses à expliquer que ça risquerait d'en prendre un certain temps. Si, j'aurais besoin des filets. Je suis con. Parce que oui, il y aura encore des créatures marines à sauver. Avec des mines sur le dos, les pauvres. J'ai même pas utilisé les Sonic durant la mission précédente. Alors, il va faire un petit peu sombre dans ce niveau aussi, comme dans la précédente mission avec les volcans et le satellite à sauver, le satellite espion. Mais il n'y en a pas grande utilité. Mais ça, si, j'en aurais vraiment besoin. Ça, c'est bon. C'est vrai que je vous l'avais pas dit, mais dans l'épisode précédent, vous étiez obligé d'avoir une combinaison thermique pour pouvoir vous lancer dans les missions à température extrême. Sinon, sinon vous l'auriez pas fait. Oui, je vais aller acheter deux types de munitions à foison. Les mines et les Sonic. Enfin, tout ce que je pouvais m'acheter, quoi. Parce que pour le boss final, il n'y a pas d'autolock. Vous êtes obligé de l'attaquer à la dure. Vous envoyez vos torpilles et vos mines pour l'éliminer. Vos mines et vos Sonic. Vous pouvez aussi tirer avec vos balles, mais disons que ça fera pas vraiment beaucoup de différence de dégâts. Allez, on est parti. Infiltrer et détruire la base de l'Antarctique et éliminer Simon Black. Ouais. Et à partir de maintenant, je vais utiliser uniquement que des pour ouvrir la première missiles. Porte, abat tous les lance-torpilles. Alors, les lance-torpilles, ce sont les défenses du site, justement. On peut pas les loquer, mais ils sont facilement détruisables. Oups. Alors, on va devoir dévorer ces portes de plusieurs façons. Premièrement, détruire justement ces lance-torpilles pour pouvoir y pénétrer. Enfin, l'une de ces portes. Avance. Voilà, une fois que ces torpilles, ces lanceurs de torpilles sont détruites, une de ces portes va s'illuminer en vert et vous pouvez y pénétrer. Par
entre les femmes équipées en conséquence en disant les filets. Non, pas à cause de ça. Des nouveaux ennemis aussi, des drones. Ces drones vont directement vous attaquer, enfin vous attaquer, vous foncer dessus et s'autodétruire. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont faciles à détruire. Là, j'ignore c'est quoi en réalité, mais ça fait partie de la base à détruire. Ok, ça c'est fait. Presque fait. Des générateurs à détruire. Vous avez le choix. Mais en tout cas, il va en falloir une grosse quantité de munitions pour les détruire. Et une fois que l'un des générateurs est détruit, l'une des portes va s'ouvrir à l'entrée et vous permettra de continuer à vous enfoncer dans la base. S'avancer maintenant. C'est peut-être pas pour tout de suite pour la capture des animaux minés. Parce que oui, au fait, les créatures que vous allez devoir sauver auront des explosifs sur leur dos, mais aussi ils se dirigeront vers vous. Je trouve ça bizarre même. Thank you.
c'est un peu du même genre pour trouver justement le dernier fragment. Ça risquerait d'être compliqué en tout cas. De maintenant, je peux aller à la fin du jeu. C'est bon ça. Avertissement, tremblement de terre. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore fini notre parcours. Voilà. Merde. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un medikit qui a été utilisé automatiquement. Si jamais vous risquez de vous faire tuer, il se pourrait que le jeu vous donne directement. Tremblement de terre. Vous redonne des PV au cas où si vous en avez besoin. En cas de mort imminente. Tiens, mon pauvre. Ça, c'était débile. Ah oui. À moi. Merci, full PV. Reste en mode filet, on sait jamais. Et là, je suis sorti. Sorti où maintenant? Non, là, c'est fermé. La suite est par là.
C'est vrai que c'est pas la peine de forcer sur les structures de ce genre. Un coup de canon et c'est bon. Bon, maintenant on va pouvoir aller à la porte principale pour rejoindre le QG de Simon Black. Ça sera la dernière ligne droite. Eh oui, déjà. C'est vrai que là, ça fait 15 minutes. Les développeurs d'avoir mis ces structures mineures aussi fragiles. Cependant, pour faire des économies d'énergie, des économies de munitions, c'est pas déconnant. Poissons alors qu'ils sont entre deux sas. On est arrivé à la base principale. À partir de là, vous pouvez vous faire plaisir pour détruire les structures environnantes, même si l'objectif principal reste les structures de la base. Resteront encore la destruction des générateurs. J'essaye de tous les détruire. Oh, une nacelle. Excusez-moi si ça lag. Thank you.
la base. Ah, comme vous l'avez pu le constater, j'ai raté certaines structures. On va s'en charger. Alors, je vous conseillerais d'utiliser les mines pour justement détruire les structures, car il y a certains endroits auxquels vous ne pouvez pas les détruire avec vos torpilles. Voilà, ça c'est fait. Passe comme prévu. Maintenant, on va s'occuper du deuxième bloc. Avec une structure en particulier, le hangar du sous-marin de Simon Black. C'est normalement il y a le sous-marin auquel il avait utilisé pour s'échapper avec le sous-marin nucléaire. Voilà, on détruit ça. Voilà. Oups. Ça c'est réglé. Oups. On n'a jamais tiré en même temps que la mine. L'argent que je me fais. Oui, je détruis les hangars en fait. Les hangars à sous-marin. Plus qu'un dernier coup ici. Détruire le hangar. Ah merde, j'en ai raté des petits morceaux. Flûte. Ah ouais, niveau argent, ça dépote aussi, hein. Je vais enfin prendre de l'oxygène, vous en faites pas. Voilà. Là, il me dit pas ce que c'est quoi comme objectif à détruire. C'est dommage. Mais selon moi, c'est l'ordinateur central de la base. Alors, qu'est-ce qu'il fout sous l'eau? Bah, il y a un système, c'est pour le faire refroidir. On sait jamais. Thank you.
Black. Alors, je vous préviens tout de suite. À partir de maintenant, s'il n'y a pas ma musique préférée, je le mettrai en montage. Et tant pis si vous n'entendez pas le son du jeu et tout le bazar. Hein. Non. Une musique qu'on l'a déjà entendue justement dans l'une des missions. Et du coup, on va la réécouter en tant que boss final. Et cette fois-ci, on y va. Élimine Simon Black. Voilà Simon Black. Oh yeah! L'objectif est de détruire les armes qu'il porte pour enfin l'éliminer. Niveau de santé. Cependant, c'est pas simple. J'essaye de batailler avec les commandes que je me suis modifiées. Putain, et en plus je me fais emmerder par tout ça. Hop là. Oh putain, il balance des plasmas lui aussi. Ça y est, la mitrailleuse a été neutralisée. C'est fini. Ah la vache. Adieu Simon Black. Ce fut un plaisir de t'avoir affronté en tout cas. Une demi-heure la vache. Oh, l'épisode le plus long. Ah putain. Oui, une petite cinématique. Comme quoi on...
Simon Black qui a été nommé, qui a été désigné comme terroriste, auquel on l'a vaincu. Félicitations, vous avez sauvé le monde ainsi que l'océan de ce terrible terroriste. Enfin, c'est mon traducteur grossier en français. Et maintenant que tout ceci est terminé, la vache, 2 millions, oh la vache, avec le secret trouvé en plus, bonne plongée, pas d'amende parce qu'une des créatures a été tuée par ma faute. On a détruit les 6 générateurs, les bunkers, c'était des bunkers que je les détruisais en un coup, les hangars détruits, les tours, ouais c'est bon, le Sea Wolf qui est en fait le sous-marin de secours du sous-marin nucléaire qu'on a détruit dans la mission précédente, et Simon Black en motherfucking personne destroy. Oh la vache, dans le podium quand même, c'est déjà ça. Et enfin, révélation. Tu as retrouvé toutes les pièces de la plaque perdue de l'Atlantide. Et voilà. Non, on s'en fout. Grand froid terminé et je veux vous montrer quand même l'Atlantide, mer Égée. Enfin, la dernière mission. Il n'y a pas de cinématique. En même temps, c'est une mission bonus. Une fois que vous avez récupéré toutes les plaques, morceaux de plaques grecques, vous avez directement ce niveau qui se débloque pour compléter le jeu. Et ce sera pour le prochain épisode. Et oui, elle risquerait d'être longue pour deux choses. Déjà d'une, le niveau en est le même. Vous n'aurez aucun ennemi à affronter. Et de deux, le générique de fin. Bah oui. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. C'était le Caméléon dans Treasure of the Deep. La fin de Simon Black. Ouah. Ça a été quelque chose quand même, cette aventure.